Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien en cette période un petit peu bizarre, vu qu'on est à la reprise des cours, on est toujours en confinement, on est toujours sous couvre-feu à 22h chez nous, et surtout, eh bien, on est un petit peu dans l'attente des résultats d'examen, mais rassurez-vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Review Time, une critique à chaud pour ceux qui ne sont pas très top en anglais comme moi, évidemment. Mais aujourd'hui, les amis, eh bien oui, on va parler d'une nouvelle critique à chaud. Je crois que c'est déjà la 7e sur cette chaîne, si je ne dis pas de bêtises. 6 ou 7, en tout cas. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler d'un animé, encore une fois. Et oui, ça fait longtemps, évidemment, vous me connaissez, moi qui adore les animés, qui adore en parler. Oui, mais ça fait plaisir de temps en temps. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler d'un animé, à savoir A Certain Scientific Railgun ou Tuaru no Gagaku Railgun, la saison 1. J'espère que vous avez déjà entendu parler de cet animé, et si jamais eh bien, vous ne souhaitez pas être spoilé sur cette saison 1, eh bien, je vous conseille vivement de zapper la vidéo et d'aller voir peut-être une autre. Ah, ça faisait quand même longtemps que j'avais prévu de parler de cet animé, parce que je crois que je l'avais regardé entièrement... je crois que je l'ai eu fini en 2019, oui, je l'ai commencé tard, évidemment, hein, mais j'avais été assez satisfait, je vais dire, de la qualité visuelle de l'animé, de l'histoire, des personnages, de l'univers, des notions importantes derrière, enfin, ça m'avait assez bien plu. Donc oui, vu que ça m'avait assez plu, assez enthousiasmé, je vais dire, en tout cas... pour cet univers bien précis, je me suis dit, et si j'en faisais une critique à chaud? Et rassurez-vous, je n'ai même pas encore commencé la saison 2, mais quand je l'aurai terminé, eh bien on en parlera, ça c'est une certitude. Bref, alors on va faire un petit bref résumé, hein, rapide de l'histoire, globalement, comment ça se passe. Donc, pour vous la faire courte, on se trouve dans une ville, je vais dire, assez dystopique, puisqu'on est un petit peu dans le futur, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, la société humaine a évolué, les personnes ont désormais, enfin, certaines personnes ont certaines prédispositions, des pouvoirs, qui vont combattre le crime, justement, les personnes qui sont un petit peu malveillantes. Il y a une société, en tout cas un regroupement d'élèves qui s'appelle le Judgment, donc qui est un petit peu l'équivalent d'une police, entre guillemets, puisque dans mes souvenirs, la police n'existe plus dans cet animé, dans cet univers, vu qu'on a le Judgment et on a une sorte de CIA, entre guillemets, ou de CRS, pour vous, amis français, qui en fait vient arrêter les personnes quand les héros ont vaincu les méchants, justement. Donc voilà, on est vraiment dans une société un petit peu plus futuriste, plus innovante, où le mal, entre guillemets, est éradiqué, en tout cas c'est ce qu'on pense, que la plupart des personnes malveillantes n'existent plus. Or, très vite, on se rend compte que les personnes malveillantes sont toujours bien présentes et que désormais, il y a des élèves qui sont capables d'annuler le pouvoir des autres, justement. On appelle ça le Railgun, je pense. C'est le pouvoir, entre guillemets, qu'ils ont. Donc, ils sont capables de les annuler, de les battre, de les faire enlever. On fait des expériences même sur des enfants, à un moment donné, pour tester leurs capacités, leurs pouvoirs. Donc, on va quand même assez loin dans la réflexion et dans la psychologie au niveau de cet animé. Mais très rapidement, un groupe de jeunes filles va se former autour du Judgment. Donc il y avait déjà Kuroneko et Misaka, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, en tout cas la protagoniste principale de cet animé, qui vont donc rejoindre le Judgment, accompagnée d'autres personnages qu'elles vont rencontrer en route, et elles vont devoir affronter une méchante en fin de saison qui avait l'ambition justement de faire de plus en plus d'expériences sur ses 10 enfants, sur d'autres personnes, et d'essayer de faire en sorte que leur pouvoir soit malveillant pour contrôler la société globalement. Donc voilà, grosso modo, je vous ai fait beaucoup de raccourcis dans l'histoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et parler des points positifs et négatifs de cet animé. Oui, commençons par le positif quand même. Oui, le premier point positif que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une sorte de dualité, une nuance entre les élèves qui possèdent des pouvoirs et ceux qui n'en possèdent pas. Parce que c'est vrai qu'on nous présente dès le début de l'animé une ville futuriste, bienveillante, où le mal, entre guillemets, n'existe plus, où beaucoup de gens possèdent des pouvoirs, notamment Misaka, qui est la plus pétée, entre guillemets, dans la saison 1, puisque son Railgun a un pouvoir... je crois que c'est la force qu'elle peut avoir peut déplacer des montagnes, en tout cas
Elle dégage une certaine aura quand elle arrive sur le champ de bataille. Même chose pour Kuroneko qui, elle aussi, a son pouvoir de transposition. Elle est capable de se fondre dans la masse et de trouver des points de fuite, disparaître et apparaître. Enfin voilà, c'est très fluide, c'est très rapide. Mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Notamment la compagne... de Uiharu, j'ai oublié son nom, voilà. Moi les noms japonais, il y a des moments où ça passe pas, hein. je vais vous le dire direct. On va avoir des élèves qui, eux, ne vont pas avoir de pouvoir, qui vont justement se sentir délaissés, un petit peu inutiles, lors de certaines arrestations de méchants, parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose, et donc ils vont se morfondre, et ce côté un petit peu dépressif va entraîner justement un épisode où la plupart des élèves sans pouvoir vont devenir incontrôlables, vont réussir à avoir un soupçon de magie en eux, mais qui risque finalement de détruire la ville plus qu'autre chose. Donc il y a véritablement cette dualité qu'il y a tout au long des épisodes, les sans-pouvoir ne comprenant pas pourquoi est-ce qu'ils n'en possèdent pas, et ceux avec se demandent mais pourquoi est-ce qu'eux n'en ont pas, et parfois on va même jusqu'à se moquer d'eux, entre guillemets, grosso modo, parce qu'ils n'en ont pas justement de pouvoir pour défendre cette ville. Il y a des épisodes, moi, que j'ai trouvé très intéressants, notamment il y avait un épisode où je crois que c'est la compagne d'Uiharu qui retrouve Misaka quand elle sauve une petite fille, je crois, d'un immeuble qui s'effondrait ou je ne sais plus. Et en tout cas, cette camarade d'Uiharu s'est rendue compte qu'elle se sentait vraiment inutile, qu'elle servait à rien. En tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti parce qu'elle s'est dit « mince, je n'ai pas de pouvoir ». Même Uiharu, qui est un personnage plus secondaire que moi, est capable d'aider ces personnes-là. Et il y a vraiment eu toute une réflexion autour de sa personnalité, de sa vie, comment est-ce qu'elle pouvait justement surmonter cette épreuve, qu'est-ce qu'elle allait faire pour remédier à cela. Bref, c'était très intéressant et moi j'aime beaucoup que l'anime nous ait présenté de manière assez frontale et assez directe cette dualité entre les personnages, entre ceux justement qui sont capables de sauver des vies, qui peuvent prendre des décisions à l'instant T, et d'autres qui n'en sont pas capables et qui doivent justement trouver une voie différente, même si parfois ça ne leur convient pas. Le deuxième point positif, alors vous aurez une rectification au début de la première partie, puisque c'est Mikoto qu'elle s'appelle. Mikoto, voilà, donc désolé si j'ai dit Misaka, hein, n'y tenez absolument pas compte, donc je mettrai Mikoto quand je dis Misaka. Mais voilà, donc oui, le deuxième point positif, c'est qu'on a un trio de personnages que j'aime beaucoup dans cet animé, à savoir Mikoto, le personnage principal évidemment, Kuroneko, sa compagne, sa fanfaronne amie de toujours, entre guillemets, qui est très intelligente et qui se bat très bien, mais qui a beaucoup de pensées un petit peu perverses par moments, c'est assez marrant. Et surtout, on a un personnage qui est arrivé, je pense, au milieu de la saison 1, c'est Kongo Mitsuko, qui est, entre guillemets, une jeune femme jolie, attrayante, attachante, qui a des pouvoirs, mais qui est issue d'une famille assez riche, assez aisée, et qui n'hésite pas à le faire remarquer en prenant un petit peu des décisions de prude, entre guillemets. Moi, je ne veux pas me salir les mains, oh là là, enfin voilà, vous avez cerné un petit peu le type de personnage. Et vous savez quoi, ce trio, je l'adore. Et pas seulement parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent tous ensemble pour une période de camp de vacances, mais surtout parce qu'ils ont chacune, justement, elles ont chacune leur propre personnalité, et c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir Mikoto d'un côté, qui est très clairement le personnage phare de cet animé, qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules, parce qu'elle sait justement qu'elle a les plus grands pouvoirs, que c'est elle la plus forte, entre guillemets, du lycée, que c'est sur elle que va reposer donc beaucoup d'attentes, et surtout, elle a toujours, je vais dire, une personnalité pas changeante, mais elle sait avoir de l'empathie, même pour les personnes qu'elle arrive à battre et à combattre, parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas facile de vivre dans une ville aussi futuriste, où il y a très clairement un écart abyssal entre ceux qui possèdent des pouvoirs, ceux qui n'en ont pas, et ceux qui ont envie d'utiliser ces pouvoirs à mauvais escient. De l'autre côté, on a Kuroneko. Kuroneko, c'est très clairement le bras droit de Mikoto. C'est elle qui va la suivre dans quasiment toutes ses aventures, toutes ses folies des grandeurs. C'est elle qui va l'aider, quitte à risquer un petit peu sa propre vie. C'est sa meilleure amie, entre guillemets, mais une meilleure amie qui l'aime énormément, et même bien plus que parfois qu'une simple amie. Et d'ailleurs,
C'est très intéressant que l'anime nous le montre comme ça. Alors oui, parfois les Japonais, ils ont tendance à exagérer les émotions et les sentiments, mais on sent, enfin moi j'ai senti personnellement qu'il y avait un petit peu plus que de l'amitié. Enfin, en tout cas, c'est du point de vue de Kuroneko. Hein. Évidemment, Mikoto ne le ressent pas comme ça, mais Kuroneko, voilà, je vais dire, elle a presque une quasi-dévotion envers Mikoto, envers One-sama, comme elle l'appelle, qui lui plaît beaucoup et qui c'est vraiment un duo qui est très attachant. Ces deux jeunes filles qui sont très très joyeuses, très très combatives, et elles ont vraiment la rage de vaincre quand elles affrontent des ennemis. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup Kuroneko pour son aspect un petit peu plus stratégique, évidemment. Parce que Kuroneko, elle n'est pas seulement là pour être le bras droit de Mikoto ou pour faire la folle de temps à autre, non. C'est également elle qui est quasiment l'œil de Judgment. C'est elle qui va rôder dans les villes, c'est elle qui va être la première sur le terrain, que dès qu'il y a une situation qui va s'envenimer, pardon, c'est elle qui va intervenir. Bref, elle est quasiment sur tous les fronts, et c'est très intéressant d'avoir ce personnage-là qui va évoluer dans cet environnement où on peut avoir des bastons à droite et à gauche, et on sait qu'elle sera, que ça soit à droite et à gauche, pour les régler. Quant à Kongo Mitsuko, eh bien là, je vous avoue que j'ai été assez surpris, parce que c'est un personnage de prime abord qui peut être détestable, très sincèrement, c'est-à-dire les personnages qui vont prendre de haut les autres personnes, qui vont leur dire « ouais, vous n'êtes qu'une merde », enfin voilà. C'est un petit peu ce genre-là de prime abord que j'ai ressenti, mais finalement, elle est très intéressante. Elle est très intéressante, et derrière cette face cachée de fille un petit peu prude, de princesse, de fille aisée qui n'ose pas salir les mains, on se rend compte qu'elle a quand même de la personnalité, un pouvoir assez bien sympathique ma foi, et qu'elle n'hésite pas de temps en temps à se retrousser les manches pour venir aider ses compagnons et ses camarades. D'ailleurs, à un moment donné, elle a même été, je crois, enlevée, si je ne m'abuse, enlevée ou agressée par une personne, et il y a tout un épisode autour pour la sauver, et même Kuroneko n'est pas très joyeuse à l'idée de la sauver, mais elle y va quand même parce qu'elle sait que c'est un personnage important et une alliée de poids, entre guillemets. Donc voilà, grosso modo, moi je trouve que ces points positifs sont assez bons, c'est-à-dire voilà, la dualité d'un côté entre ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui n'en ont pas, des personnages attachants, attrayants, le trio assez important entre Mikoto, Kuroneko et Mitsuko, mais il y a quand même des points négatifs et on va quand même en parler. Je suis désolé pour tous ceux qui sont fans de ce personnage, mais moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec elle durant toute la saison 1. Vraiment. Uiharu, donc voilà, désolé pour mon accent japonais à couper au couteau évidemment. Je dois reprendre hein, les petites leçons, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Donc Uiharu, voilà, hein, on va le dire. J'ai pas vraiment accroché ce personnage, très sincèrement. J'ai eu beaucoup de mal avec elle, vraiment beaucoup de mal. Je trouve que au début elle est intéressante parce que elle a ce côté un petit peu fille naïve, fille gentillette, douce, qui est prête à aider ses amis dans toutes circonstances. Elle n'a pas véritablement de pouvoir comme sa camarade, enfin sa camarade en aura par la suite, mais elle n'en a pas. Donc elle a aussi une réflexion sur le fait, mais comment est-ce que je peux aider les autres, sachant que voilà, j'ai pas de pouvoir. Elle a quand même utilisé son esprit et sa finesse stratégique en étant derrière les ordinateurs, donc ça c'est important, c'est un bon point que je le reconnais, mais le personnage en lui-même, je ne l'aime pas. Je vais même aller plus loin, je vais même vous dire que ce personnage est lassant à la longue. Il est lassant parce que on la retrouve de temps en temps sur des moments importants, sur des batailles, mais tu sens qu'elle est quand même limitée dans certaines prises de décision, dans certains changements d'humeur, qu'elle a du mal véritablement à hausser son niveau de jeu, comme on va dire. Et par moments, elle a des phrases qui, moi, me plaisent pas. Il y a un épisode où elle fait la gueule à Kuroneko pendant presque 25 minutes, voire un épisode en plus, donc c'est quasiment sur deux épisodes. Je veux dire, ouais, mais bon, c'est un enfantillage quand même, pour ce que tu lui fais la tête. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué avec ce personnage d'avoir un avis véritablement tranché dessus. Parce que finalement, même sa camarade qui a un petit peu des soupçons de pouvoir arrive à être beaucoup plus intéressante qu'elle. Elle finalement, bah, elle se retrouve derrière l'ordinateur, derrière elle n'est pas encore sur le terrain. Même si à la fin de la saison 1, elle est quand même sur le terrain parce qu'elle se trouve enlevée par la scientifique qui en fait avait fait des expériences sur les enfants à l'époque, la scientifique un petit peu fatiguée là vous voyez. Et c'est vrai qu'elle joue un rôle dans cette situation là, mais c'est quasiment son seul fait d'arme dans la saison 1. Et je trouve ça assez regrettable parce qu'elle a une bonne personnalité, c'est un personnage qui peut être attachant, mais je trouve qu'elle n'a pas été assez développée dans cette saison 1 et j'espère que la saison 2 remédiera à cela. Parce que j'aimerais bien la découvrir un peu plus, je vous l'avoue très clairement.
Donc oui, certes, c'est pas non plus un point négatif énorme, je vous l'accorde, il est pas non plus catastrophique ce point-là, mais je vous rassure, il y en a quand même un qui, moi, me reste un petit peu en travers de la gorge, je trouve, et on va quand même en parler, puisqu'il s'agit d'un personnage, d'une demoiselle, s'il vous plaît. Oui, alors oui, pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la saison 1, au bout du bout du bout du bout, c'est-à-dire les 23 et 24e épisodes, il y a bien une méchante finale dans cette saison 1 qui est différente de celle qui avait enlevé tous ses élèves, qui était un petit peu le cerveau, entre guillemets, de l'affaire derrière ses enlèvements, derrière ses nombreuses expériences sur les enfants qui ne maîtrisaient pas encore leur pouvoir. Donc oui, il y a bien une méchante qui gérait un labo un petit peu sombre, à l'abri des regards, que nos camarades vont découvrir et vont être un petit peu stupéfaites d'apprendre que une dame a osé faire des expériences parfois cruelles, parfois odieuses sur des enfants pour tester leurs limites, leur capacité d'adaptation à ces différents pouvoirs. Je vais vous dire, j'ai même une question par rapport à ça, je me demande sincèrement si cette méchante était véritablement nécessaire. Voilà, c'est une question que je me pose. J'ai pas encore vu la saison 2, donc je ne peux pas non plus dire si elle aura un rôle majeur à jouer dans la deuxième saison. Mais j'ai l'impression que dans cette saison 1, ils t'ont mis cette méchante pour te dire, bon, la scientifique un petit peu fatiguée a été arrêtée, on va quand même en mettre une autre, parce qu'on peut pas finir la saison sur amour, gloire, passion et beauté, entre les camarades qui mangent un sorbet à la fraise. Donc oui, je peux comprendre l'idée. Maintenant, je trouve qu'elle apparaît beaucoup trop tard. Elle apparaît beaucoup trop tard dans la série, sérieusement. Dans mes souvenirs, si je dis pas de conneries, je crois qu'elle apparaît dans l'épisode 14, 15. Donc il reste grosso modo même pas 10 épisodes, même un peu moins. Donc ça arrive vraiment tard. C'est pas comme si elle arrivait à l'épisode 6, 7, et que en parallèle de l'histoire et des aventures de nos petits quatuors, entre guillemets, de fillettes, il y avait, entre guillemets, une histoire parallèle sur le côté qui développe un petit peu comment est-ce que ce personnage en est venu à être aussi détestable, désagréable, comment est-ce qu'elle a fomenté ses histoires d'enlèvement, pourquoi ses dites expériences, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il manque véritablement quelques pièces au puzzle et à son plan machiavélique. C'est un petit peu comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode sur la bataille de Fairy Tail, quand vous avez un méchant ou un antagoniste qui arrive, il faut quand même une histoire derrière, il faut qu'il y ait une construction, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que très honnêtement, moi quand je l'ai vu débarquer, quasiment 3-4 épisodes après c'était fini, donc j'ai eu un petit goût amer dans la bouche, vous voyez ? Après, évidemment, c'est pas non plus trop grave, parce que l'anime est bon, il est intéressant, il est émouvant, il est intrigant, il y a de bonnes musiques, les openings sont très bons. L'opening de la saison 1 d'ailleurs, hein, le tout premier est très bon, je crois que c'est Only My Real Gun, donc seulement mon pouvoir, entre guillemets, qui est très bon aussi, mais honnêtement, la méchante finale, j'ai vraiment du mal à lui accorder du crédit et justement à la mettre en valeur. Donc oui, la fin de saison pour moi a été un petit peu mitigée parce que je ne savais pas trop quoi en penser de cette méchante qui a un certain charisme, certes, un certain charisme, une puissance, une prestance, je vous l'accorde, c'est vraiment l'archétype même de la scientifique qui a un petit peu trop pété les plombs, hein, un petit peu trop maso sur les bords. Et de l'autre, je me suis dit, ouais, mais on connaît pas grand-chose de son histoire, quand est-ce qu'on va l'apprendre, j'aimerais bien en savoir plus sur elle. Donc oui, je suis sorti de cette saison 1 un petit peu mitigé, heureux, mais mitigé, voilà, c'est un petit peu un bon repas que tu as mangé et que le dessert t'as dit, c'est pas top quoi. Concernant la dernière question, faut-il voir ou non cet animé? Alors, je vous le conseille. Évidemment, je vous le conseille parce que malgré les deux points négatifs que je lui ai trouvés, j'aurais pu en trouver plus des points positifs, mais j'aime bien faire parfois soit 3 points positifs, 3 points négatifs, 2 points, voilà, ça fait un certain challenge de pouvoir déceler les meilleurs points positifs et négatifs d'un animé, donc j'aurais pu trouver plus, mais honnêtement, je vous le conseille parce que c'est un très bon animé, c'est un bel univers, il y a des personnages qui sont attachants, attrayants, distrayants, il y a vraiment de beaux enjeux, que ce soit des enjeux sociétaux sur cette ville dit futuriste qui finalement a encore beaucoup de plaies à penser, à refermer, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes avec les gens qui décident d'utiliser leur pouvoir à mauvais escient, des personnes qui se posent des questions sur leur avenir, la construction même, les
ton même de cette dite société et du système du lycée qui privilégie d'abord les élèves plus intelligents, plus importants, avec un système de classement. Donc oui, il y a véritablement de très bonnes choses dans cet animé, et il faut les voir, très clairement, il faut les voir. Sachant qu'en plus, il y a 3 saisons actuellement, donc voilà, moi j'attaquerai la saison 2 en temps et en heure, mais il faut quand même voir cette saison 1 pour continuer la suite, et surtout pour continuer à voir ses critiques, parce que, je vous le dis, on en parlera de cet animé. Et au moins, voilà, vous aurez de temps en temps un petit animé japonais sorti nulle part, d'une petite baguette magique que je vous conseillerai, soit de manière... gentil, bon enfant, ou soit que je vous déconseillerais fortement. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette nouvelle critique à chaud sur la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu tout d'abord, hein, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis, et surtout que vous serez au rendez-vous pour les prochaines critiques à chaud, mais également les critiques du mois, les vidéos de la minute en vrac, les instants Disney, les instants DBZ, bref, il y a tout un panel, un petit package qui vous attend. N'hésitez pas d'ailleurs, avant de quitter la vidéo, à vous abonner, c'est le plus important, vous abonner à la chaîne, mais également aller suivre mon blog actuellement qui s'appelle L'Actu en Vrac. Je vous le conseille vivement, puisque dessus je retranscris sous format écrit les critiques du mois, les critiques à chaud, des petits éditos par-ci par-là sur mon humeur du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est juste ici. J'espère que vous serez au rendez-vous, et surtout il y aura un format écrit de cette critique. Donc soyez au rendez-vous fin du mois, à la fois pour la vidéo et pour la critique écrite. Quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, portez-vous bien, faites très attention à vous, le virus est toujours là, certes, hein, ne baissez pas la vis, entre guillemets, restez concentrés, restez bien, entre guillemets, dans ces règles sanitaires, voilà, et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important, et quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos, salut. Thank you.